Alors, je t'invite à venir voir un appareil qui numérise les images. Tu te mets à l'autre côté? L'autre côté ici. Oui, comme parfait. Ça. OK, on va enlever mes vieilles bobines ici. Je vais tracer ça. On y reviendra tout à l'heure. Alors, voici. C'est un appareil à la fois très simple, mais tout ça grâce au numérique. Donc, ici, j'ai une surface lumineuse. Qui s'allume, pour faire attention, c'est très lumineux. Oui. J'ai une caméra qui va prendre ça. Alors, j'ai le logiciel, par contre, il faut au moins que je rouvre le logiciel. Alors, tu vois, là, ici, il y a un code, là. Alors, l'émulsion doit être en haut, c'est deux perforations, donc je peux jamais me fier à ce que c'est. Faut que je regarde, faut que je sache. Est-ce que c'est du 16? T'as dû spécifier que c'est du 16? Oui, c'est du 16. C'est sûr que dans le cas du 8 et Super 8, vu qu'il y a des perforations que d'un bord, des fois ça règle certains problèmes. Alors, le principe de cet appareil-ci, c'est que les perforations vont être dénotées au niveau optique. C'est des cellules optiques qui sont ici et que la cellule va voir qu'il y a un trou, paf, elle va dire, prends une image. C'est pas mécanique, là. C'est pas, mettons, une roue dentée qui va faire que ça soit. Alors, toujours, et ça, qu'est-ce que tu veux, c'est depuis le début du cinéma, c'est que les bobines sont, le film doit être reçu d'une bobine. Alors, tu vois, j'ai ça, et bien sûr que le logiciel est pas ouvert, félicitations. OK. Alors, vois-tu, je sélectionne. Alors, je sais que c'est pas très grand, comme image, mais c'est quand même là que je vais voir ce qui va se passer. Alors, j'ai choisi et t'es prête à... Ça part et tu vois l'image qui est ici. Presque à vitesse normale, mais pas très, très bonne. Alors, tu vois, je peux quand même calibrer, j'ai certains ajustements que je peux voir, mais tu vois-tu ici, j'ai un bon. Alors ça, tu te dis, François, t'as mal fait ton travail. Mais c'est faux. C'est à la caméra. C'est ça, c'est au tournage. C'est au tournage que ça a été fait. Et on servait des télécinés ou des projections cinématographiques à projecteurs mécaniques, ce phénomène-là peut exister aussi. Moi, j'ai un compresseur d'air qui est ici avec une manette pour nettoyer tout ça, parce que ça peut être... Mais à un moment donné, tu finis par reconnaître telle bobine et telle bobine. Si tu changes la bobine, la poussière est toujours à la même place. Mais là, tu sais que c'est pas toi, là, tu sais que c'est la famille. Ouais.